Donc pour faire simple, le poste de pilier, c'est déjà les phases statiques, savoir la mêlée et la touche, plus simplement faire avancer l'équipe. La différence entre un pilier gauche et un pilier droit, les appuis à gauche, ils sont différents. Il faut mettre le pied gauche devant, essayer d'avoir une lésion longue pour essayer d'être le plus fort possible et d'avoir le coude dans l'air. Parce que sinon, le droitier, il peut t'amener en bas beaucoup plus facilement. À droite, du coup, ça va être l'inverse. Avant les commandements de l'arbitre, le plus important, c'est les liaisons entre nous. Moi, ça va être d'aller chercher le talonneur au niveau du short, pouvoir sortir un maximum l'épaule à la flexion. Au lié, je recule mon appui et je... La première chose à faire, c'est de les mettre à mal. C'est la poussée collective et voilà. Après, plus techniquement, ça va être jouer avec l'impact. On a changé les règles cette saison. On n'a plus le droit d'être tête contre tête, tempe contre tempe. Il faut vraiment qu'il y ait un plus grand espace. Si on sent vraiment que le pilier d'en face il veut réduire cet impact, donc nous refuser l'entrée, ce sera un bras cassé si l'adversaire est trop près. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et lâche un pouce bleu.